Bonjour, ici Sylvain Juteau pour les capsules JN Auto électrique 101. Aujourd'hui, on va faire ce qui m'est demandé depuis que j'ai reçu la Mustang Mach-E, grosse batterie. Puis évidemment, on a aussi la Y que j'ai, que Roulé électrique possède depuis l'été 2020. Fait que là, on va faire le challenge, c'est laquelle qui a le plus d'autonomie. Puis là, évidemment, là, toutes les gens veulent savoir laquelle que je préfère, la Mach-E ou la modèle Y. Tant qu'à faire un challenge, on va ajouter deux autres véhicules, donc la modèle 3 grande autonomie, traction intégrale aussi, et la Audi e-tron. OK, e-tron, on va dire e-tron, ça fait moins, ça se prononce mieux. Qui est aussi traction intégrale, qui est un VUS aussi. Même, je dirais que c'est le plus gros de la gang. OK, donc, on va faire un itinéraire. Premièrement, je vais vous donner les données, les informations météo. C'est pas mal une des dernières journées froides de l'hiver. On est le 7 mars 2021. Il est 11 h 30. Selon la station météo qui est installée sur le toit de la station Roulé électrique, d'ailleurs, on la voit là. OK, il fait moins 7,8 degrés. Le vent est sud-ouest à 12 km/h. Donc, c'est les conditions météo. C'est pas ultra froid, mais c'est quand même une journée typique d'hiver. Donc, je sais qu'à partir de demain ou après-demain, là, ça va être le printemps. Donc, il est grand temps qu'on le fasse. Fait qu'on va faire un itinéraire d'environ 250 km, dépendant de l'autonomie des véhicules. On ne veut pas tomber à sec non plus. Puis, ce qu'on veut savoir, c'est lequel qui a le plus d'autonomie dans les conditions hivernales. En passant, ce qui est important de savoir, c'est que les deux Tesla et la Mustang, ils ont les mêmes pneus, des Nokian Akka R3. Donc, il n'y a personne qui va dire qu'il y en a un qui a des pneus différents, puis c'est pour ça qu'il est mieux fait que l'autre. Et aussi, les quatre véhicules sont chargés à 100 %. La pression des pneus a été vérifiée. On les a mis selon les recommandations du fabricant. Vous savez, l'information là, sur les KPA des pneus dans le bas de la porte du côté conducteur. Fait qu'on les a tous ajustés, on les a tous vérifiés. On va se suivre à la queue leu-leu à une vitesse de 105 km/h. On va faire que de l'autoroute. On s'en va en direction de Montmagny. Donc, puis après, on va, selon l'autonomie restante, on va rebrousser chemin et arrêter à Neuville parce qu'il y a 6 bornes de recharge rapide à cet endroit-là, puis il y a des 100 kW. Tout le monde se met à 20 degrés de température intérieure. Siège conducteur chauffant à 1, parce qu'ils ont tous les sièges chauffants, et ventilateur à 1. Donc, on va tous avoir les mêmes paramètres. On est presque tous, à peu près tous le même poids. Il y a Stéphane qui est un peu plus poids léger, mais disons que ça va être négligeable. Donc, en gros, c'est ça. Fait qu'on a bien hâte d'avoir les résultats. Fait que restez avec nous.
tournez à droite dans la rue Autoroute 40. Regardez les filmés qui nous suivent. Et voilà, on a terminé notre match comparatif. On est actuellement à Neuville, où il y a 6 belles bornes rapides du circuit électrique, 3 bornes 100 kW, puis 3 50 kW. Donc, au total, on a parcouru, attendez un petit peu, 285 km. Donc, on est allé jusqu'à Montmagny, à partir de Trois-Rivières, et on est revenu jusqu'à Neuville. On va commencer avec la Audi. Premièrement, la Audi e-tron, elle ne s'est pas rendue à destination, c'était trop serré. Donc, Joe a arrêté de faire une petite recharge à Lévis. Puis là, les données que j'ai collectées, c'est que quand il est arrivé à la borne rapide, il était à 12 %. En passant, pour déterminer le pourcentage de recharge finale, on se base sur ce que l'écran des bornes rapides affiche pour avoir la donnée la plus précise et la même pour tout le monde. Donc, la Audi avait 12 % pour une distance de 253 km. Ça veut dire que la Audi, si elle avait fait 100 % de la batterie, elle aurait parcouru 288 km. Donc, finalement, il aurait pu se rendre jusqu'ici, mais on s'entend qu'à 3 km de jeu, il y avait un risque de panne. Puis, c'est pas tous les véhicules qui réagissent pareil quand tu arrives à 0 %. Il y a certains véhicules qui vont permettre de continuer quelques kilomètres, mais il y en a d'autres que quand tu arrives à zéro, ça avance plus. Ça ne tente pas de tomber en panne l'hiver, surtout qu'avec le vent, là, c'est comme s'il faisait moins 15. Là. Donc, en gros, c'est pour la Audi. Donc, la modèle Y est arrivée à 20 %. Ça aurait donné une autonomie totale de 356 km. La consommation moyenne a été de 18,5 kWh aux 100 km. Donc, c'est quasiment 10 kWh de moins par 100 km que la e-tron. Pour comparaison aussi, on a rechargé en chat démo jusqu'à 50 %. Donc, on a ajouté 30 % de batterie. Ça donne, on a injecté 25,38 kWh en 35 minutes et 25 secondes. Puis, ça l'a coûté 6,99 au tarif du circuit électrique qui est de 12,8 dollars. La Model 3 était en arrière quand on est arrivé à Montmagny. Elle avait moins d'autonomie. Je pense qu'elle avait 2% de moins restante que la Model Y, ce qui est surprenant. Mais il ne faut pas oublier que la Model 3, c'est une 2019. Elle n'a pas de thermopompe. C'est seulement les dernières, récemment, là, les modèles 3 qui ont la thermopompe. Puis, tous ceux que je connais qui achètent une Tesla ces temps-ci, grande autonomie, la grosse batterie, ils achètent la modèle Y. Fait que je connais personne qui a la thermopompe avec la modèle 3 avec une grosse batterie. Donc, rendu à Montmagny, elle avait moins d'autonomie, mais on était dos au vent. OK? Mais en revenant, quand on est revenu en direction de Neuville, là, on tombait face au vent. Et on a eu des pointes là, de 30 km/h. Donc, évidemment, la Model 3 a été avantagée pour la situation face au vent parce que le véhicule est moins haut, la garde au sol est plus basse, donc est moins affectée par le vent. Puis là, bien, ça a fait qu'elle a fini à 20 % elle aussi, exactement pareil. Donc, le grand frère et la petite sœur Tesla, modèle 3, modèle Y, sont arrivés ex aequo. Donc, 20 %, ça veut dire que l'autonomie totale aurait été de pareillement 356 km quand on fait
la règle de 3. Mais sa consommation a été encore moins que le modèle Y. Elle a été de 17,5 kWh aux 100 km, donc 1 kWh de moins que le modèle Y. Là, vous allez me dire, bien, pourquoi elle est arrivée avec le même pourcentage vu que c'est la même batterie? Bien, la modèle 3 est plus vieille, elle a plus de kilométrage, puis les Tesla modèle 3 et modèle Y sont connus pour avoir une plus forte dégradation, contrairement aux modèles S et modèle X qui n'utilisent pas la même chimie de batterie. Puis moi, je pense qu'une des raisons, c'est dû au fait qu'un gros pourcentage de la batterie totale est utilisé. Donc, quand on charge à 100%, c'est moins bon pour la santé de la batterie à long terme. Donc, c'est pour ça qu'elle en a reperdu un peu plus. La dernière lecture que j'ai faite là, sur Scan My Tesla, qui est un produit qui permet de lire la santé de la batterie, j'avais quand même un 7 à 8% de dégradation. Donc, c'est ce qui l'explique. Et finalement, la Mach-E, qui est la grande gagnante en termes de plus grande autonomie dans les conditions hivernales, est arrivée à 22%. Donc, on s'entend, il y avait juste 2% de différence. Ça signifie qu'elle aurait eu une autonomie totale si on fait la règle de 3 puis on aurait roulé jusqu'à 0%. Ça donne 365 km. Donc, la Mustang Mach-E, grosse batterie, traction intégrale. De toute façon, c'est toutes des tractions intégrales. Elle aurait fait 9 km de plus en hiver que les deux Tesla. Et évidemment, quasiment 75 km de plus que la Audi. Okay? Donc, en gros, c'est ça les résultats. Évidemment, la consommation a été plus grande pour la Mustang. Ça a été de 24 kWh aux 100 km. Donc, c'est un 5 kWh de plus. Fait que oui, elle consomme plus. Elle a consommé moins que la Audi, mais elle consomme plus, mais la batterie est plus grosse. Donc, ce qui fait que sur une charge, vous avez plus d'autonomie avec la Mustang. Le temps de recharge sur une borne 100 kW a été de 28 minutes et 52 pour revenir à 50% de recharge. Ça a coûté 5,72, donc légèrement moins cher que la modèle Y. Donc, en gros, ça donne ça. Écoutez, les deux Tesla puis la Mustang, c'est très similaire comme autonomie. Évidemment, si on avait eu une modèle 3 avec la thermopompe et une modèle 3 récente, bien, je pense qu'elle aurait gagné. Elle aurait probablement fait plus que la Mustang, ça c'est clair. La modèle Y, bien, elle est plus grosse, mais elle a la thermopompe. Elle est plus récente aussi, été 2020, donc elle a 9 mois, alors que c'est presque 2 ans pour la modèle 3. C'est la thermopompe, je pense, qui l'a grandement aidée. OK, pour que, même si elle est plus grosse, plus lourde, elle a fait à peu près la même autonomie à plus ou moins 1% que la Tesla Model 3. Fait que, en espérant que cette capsule vous aidera à choisir votre véhicule électrique,